Le 12 avril 1961, un homme est envoyé dans l'espace pour la première fois. L'exploit est soviétique. L'homme s'appelle Youri Gagarin. Il est ingénieur, il a 27 ans. Son vol aura duré 1h48 minutes. Les Américains suivront de peu en envoyant le 5 mai, à 185 km au-dessus de nos têtes, Alan Shepard, à bord d'une cabine spatiale Mercury. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec cette nouvelle conquête spatiale, la décennie commence bien. Pourtant, l'année 1961 n'a pas été spécialement radieuse. En effet, à Berlin s'ouvre une crise internationale. La République démocratique allemande a décidé d'édifier un mur au milieu de la capitale allemande, un mur qui sépare l'Est et l'Ouest. Ainsi, la réunion à Vienne deux mois plus tôt entre Khrouchtchev et Kennedy n'aura pas servi à grand-chose. Avec les problèmes de l'Algérie, la France de son côté frôle la guerre civile, mais le général de Gaulle ne se laisse pas impressionner par le putsch des généraux. Un quarteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Tout a commencé le 8 janvier avec le référendum. Le peuple français est appelé à dire, explique le général de Gaulle, s'il approuve que les populations algériennes puissent décider de leur destin. 3 Français sur 4 y sont favorables. C'est fait. Malgré le compréhensible non des pieds noirs, en janvier 61, par référendum, le peuple français offre la liberté à sa conquête, accorde le droit aux Algériens de disposer d'eux-mêmes. Il est certain qu'ils choisiront la souveraineté, l'indépendance, après 132 ans de dépendance. Donc, 3 Français sur 4 d'accord pour l'autodétermination de l'Algérie, où les musulmans des villes se sont abstenus à la suggestion du FLN, tandis que dans le bled, ici chez les Kabyles, qui comme les Berbères montrent toujours du caractère, on votait massivement. Ce oui au référendum, c'est un véritable plébiscite pour le chef de l'État. Il est vrai aussi que les Français comptaient sur De Gaulle pour trouver une solution. Il est vrai encore que le général est passé maître dans l'art de la radio-télévision. L'Algérie algérienne est en marche. Alors, Évelyne Levert, les Français comptaient sur De Gaulle, mais De Gaulle comptait sur les Français pour le plébisciter aussi, c'est ça ? Bien sûr, mais enfin, disons que c'était à peu près certain. De Gaulle avait, était sûr d'avoir un score intéressant. Il a eu 75,2% de oui. Et personne, quand il avait demandé un oui franc et massif, personne ne s'était mépris sur le sens de ce oui. Ce oui signifiait oui à la négociation, oui à la paix. Et les Français ont remis leur destin entre les mains du général de Gaulle une fois encore pour que celui-ci mette enfin un terme à un conflit qui commence à durer depuis trop longtemps, puisqu'il a commencé en 1954 et qu'on est là au début de l'année 1961. Alors, en tout cas, en ce qui concerne la communauté européenne d'Algérie, le oui, il n'en était pas question, évidemment. C'était un malaise. Ah ben, oui, il n'en était pas question. Il y a quand même 39% de oui en Algérie. C'est quand même, même étonnant de voir ce chiffre-là. On penserait qu'il y en a eu beaucoup moins. Il y a eu 39% de oui, évidemment. Le reste sont des non. Et il faut bien se rappeler, le film vient de le dire, qu'il y a aussi 42% d'abstention, car le FLN a donné des consignes rigoureuses. Pour le FLN, il ne fallait pas se prêter à une mascarade. Et le JPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, a dit « ce référendum est une mascarade ». Je voulais dire par là que c'était un plébiscite en faveur de De Gaulle et qu'on risquait d'avoir l'Algérie algérienne de De Gaulle qui ne serait pas l'Algérie du FLN. Alors le 7 avril à Évian doivent commencer des pourparlers entre le gouvernement français et les représentants des Algériens, mais ça se passe mal. Oui. C'est-à-dire que ce oui, finalement, a encouragé, malgré toutes les déclarations du FLN, ce oui a encouragé le GPRA, et il est d'accord pour négocier, parce qu'il comprend qu'on s'achemine enfin sur la voie de la négociation. Alors, les contacts sont pris, c'est Georges Pompidou qui dirige l'équipe française, c'est très difficile de s'entendre avec les représentants du FLN, et il y a un point sur lequel, véritablement, il y a une impossibilité d'entendre, c'est sur le point du cessez-le-feu. De Gaulle voulait qu'il y ait autodétermination une fois que les deux parties auraient cessé le feu. Or, il n'en est pas question, le FLN ne veut rien entendre. Et puis finalement, De Gaulle cède. C'est De Gaulle qui dit d'accord, il n'y aura pas cessé le feu du côté du FLN, il y aura cessé le feu simplement du côté français, nous ferons une trêve. Alors le FLN accepte de négocier. Il y a donc la ville d'Évian qui est choisie comme lieu de négociation.
Et De Gaulle fait savoir au dernier moment qu'il consultera aussi le MNA. Le MNA, c'est une autre fraction de la révolution algérienne. Et lorsque le FLN apprend que le MNA sera consulté, alors là, c'est la rupture. Enfin, rupture pour, c'est pour parler. Et le FLN ne veut pas que la France consulte ce qu'il appelle les valets du colonialisme. Très bien. Alors, on poursuit notre feuilleton de l'année, si j'ose dire. Le 22 avril, quatre officiers généraux déclenchent un putsch à Alger, les généraux Challes, Jouhaud, Salan et Zeller. Challes, ex-commandant en chef en Algérie, dénonce la politique d'abandon d'Algérie. L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Dans la nuit du 21 au 22 avril, les paras du 1er REP se sont emparés d'Alger, où les activistes n'avaient jamais vraiment désarmé. À Paris, De Gaulle réunit un conseil des ministres exceptionnel à 17h, qui décrète l'état d'urgence. Roger Frey, Michel Debré, puis Louis Ternoir, ministre de la Formation, souligne la gravité de la situation. De déférer à la justice militaire les généraux Challes, Salan, Jouhaud et Zeller, ainsi que le colonel Godard. Le général a envoyé en mission sur place Louis Jox, ministre d'État chargé des affaires algériennes. En 24 heures, il parcourt l'Algérie d'ouest en est pour inciter les autorités civiles et militaires à rester dans la légalité. Il regagne Paris avec des nouvelles alarmantes. Au soir du 23, la France entière entend le général de Gaulle condamner sévèrement ce quarteron de généraux en retraite. Que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Françaises, Français, aidez-moi. À Paris, on ne sait pas que le discours de De Gaulle a porté ses fruits et que l'insurrection baisse les bras. Au contraire, on s'affole et on redoute une invasion de parachutistes. Des régiments de chars loyalistes sont appelés en renfort. Et le Premier ministre, Michel Debré, se rend à minuit à la télévision pour inviter ardemment les Parisiens à se rendre à pied ou en voiture aux aéroports pour barrer la route aux soldats rebelles. À une nuit de fièvre succède une journée d'attente marquée par un appel des syndicats à la grève générale. À Alger, la radio, qui était un des premiers objectifs conquis par les parachutistes, tient la population en haleine en faisant état d'arrivées de chefs activistes, comme le général Salan, et en tenant le journal des ralliements d'unités ou de chefs militaires à la rébellion. Mais l'enthousiasme de la foule des Algérois européens ne suffit pas à entraîner dans le mouvement l'ensemble de l'armée d'Algérie, qui reste loyaliste. Les chefs de la rébellion, les généraux Challes, Jouhaud, Zeller et Salan, qui se refusent à faire verser le sang, sentent que la situation n'évolue pas comme ils l'espéraient. Les pilotes de l'armée de l'air, fidèles au gouvernement, regagnent la métropole avec leurs avions. La marine fait également appareiller ses navires et les appelés du contingent ont fait comprendre à leurs officiers qu'ils ne les suivraient pas dans la rébellion. Le quatrième jour, le putsch d'Alger a pratiquement échoué. Après une dernière apparition dans la nuit du 25 au balcon de la délégation générale, les généraux rebelles se dispersent. Challes se constitue prisonnier alors que les autres s'enfoncent dans la clandestinité. À l'aube du mercredi 26, tout est rentré dans l'ordre. Les généraux Challes et Zeller, incarcérés à la prison de la Santé, sont très vite traduits devant un haut tribunal créé pour la circonstance. Après un procès qui passionne l'opinion publique, ils sont condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. La police se lance aux trousses de Salan, qui a pris la tête de l'OAS clandestine. Le 1er REP est dissous, les officiers rebelles destitués, la répression est terrible, car De Gaulle est impitoyable lorsqu'il s'agit de l'autorité de l'État. Alors, est-ce que ça pouvait réussir, un putsch comme celui-là ?
Écoutez, je crois qu'à la base, ce putsch avait très peu de chances de réussir. Car il faut bien voir que Challes et les trois autres généraux, et surtout les deux autres, Zeller et Jouot, se sont lancés véritablement dans une aventure sans vouloir écouter même ce que leurs amis leur avaient dit. On leur avait dit que les régiments ne marcheraient pas. Et ils n'ont pas voulu écouter. Ça, c'est très, très frappant. Et d'autre part, ils ne savaient absolument pas quel était, disons, l'état économique, l'état des stocks de l'Algérie. Et le putsch impliquait une sécession de l'Algérie avec la France. Et ils pouvaient tenir vraisemblablement 2 mois et rien de plus. Donc c'est une opération qui était très, très légèrement menée à la base. Et puis, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que malgré la sympathie que beaucoup d'officiers de l'armée d'active avaient pour l'expérience Challes, Jouot et consorts, la plupart des officiers ont eu peur de s'engager, ils se sont rendus compte que c'était la guerre civile. Et il ne faut pas oublier que sur la moitié des officiers, il y avait à peu près la moitié des officiers qui étaient des gens du contingent. Parce qu'il n'y avait pas que des soldats. C'était important à ce moment-là. Alors, il y avait 500 000 hommes à peu près sur place. Alors, il y avait les soldats du contingent, mais aussi des officiers. Et la moitié, je dis bien, de l'ensemble des officiers, pas des officiers supérieurs, mais des officiers, étaient des officiers du contingent. Et ils étaient tout à fait hostiles à ce putsch. Et dans l'ensemble, ils n'étaient pas favorables à la poursuite de la guerre. Et il n'y a pas eu les ralliements au putsch que espéraient Challes, Jouot, Zeller et Salon. Alors, de leur côté, Jouot et Salan se cachent. Et Salan est maintenant le chef de l'OAS, l'organisation armée secrète. Qu'est-ce que c'est finalement, l'OAS ? Alors, l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, c'est le regroupement de tous les groupuscules activistes et de leurs forces armées qui pullulaient en Algérie, on peut dire, en gros, depuis 1954. Il y en avait des quantités. Et ils se sont regroupés sous l'égide en Espagne de la Gaillarde dès le début de 1961. Et c'est d'abord une organisation civile que l'armée secrète. Et puis à partir du moment où les généraux entrent dans la clandestinité, ils vont l'encadrer, ils vont la structurer. Et les rouages de l'OAS deviennent aussi des rouages militaires. Alors Salan est le chef, il s'appelle Soleil. Jouot est Soleil bis. Et puis, il y a des hommes comme le colonel Garde, le colonel Godard, qui structurent toute l'organisation, qui va littéralement organiser la vie en Algérie à partir de avril 1961. On voit les affiches qui apparaissent sur les murs, d'ailleurs, à ce moment-là. Et ils peuvent compter sur beaucoup de militants, à ce moment-là ? Alors, des militants, on n'a jamais su exactement combien il y en avait dans l'OAS, mais ils ont eu la complicité pratiquement de toute la population. Alors, la population ne s'est pas engagée dans les attentats, c'est pas ça que je veux dire, mais la population d'Algérie a été littéralement traumatisée, elle a été traumatisée par l'échec du putsch, et à ce moment-là, toute la population a écouté l'OAS, a donné de l'argent pour l'OAS, et a boycotté par exemple la presse de métropole, et n'a plus écouté que les mots d'ordre de l'OAS, et elle a vécu à l'heure de l'OAS. Donc elle a été complice d'une certaine façon de l'OAS, sans s'engager, je dirais, forcément dans les actions physiques. Alors, il faut dire un mot peut-être des attentats algériens en France et aussi des bagarres qu'il y a entre les Algériens, la police, etc. Il y a des manifestations qui sont très violentes et qui font des morts. C'est ça. Alors, mais de toute façon, il y a toujours eu attentats du FLN, en Algérie bien entendu, et il y a eu une recrudescence d'attentats à partir de 1960-1961, parce que l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, était à bout de souffle. Donc les attentats, eux, ont été plus importants. Vous pouvez dire que l'armée française avait gagné sur le terrain. Ah, sur le terrain, c'est évident, l'armée française l'avait emporté, mais il y avait toujours des groupuscules terroristes. Et puis, en métropole, il y avait aussi des attentats FLN, et beaucoup de ces attentats étaient dirigés contre les forces de police, en particulier contre les policiers qui gardaient les commissariats, enfin contre les policiers d'une façon générale. Il y a eu 47 policiers tués, c'était un chiffre que rappelait Roger Frey, qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur, en octobre 1961. Et la police et la communauté d'Algériens, en particulier à Paris, vivait dans des termes extrêmement hostiles, pour ne pas dire plus. Merci. Un mois plus tard, la conférence franco-algérienne débute à Évian. La délégation française est conduite par M. Louis Jox, qui est ministre d'État chargé des affaires algériennes, et Krim Belkacem représente le FLN. Est-il un oiseau de bon augure, cet avion arrivant à Genève avec 3 représentants des rebelles algériens, Krim Belkacem en tête,
pour les négociations avec la France à Évian. Équipée comme la Wehrmacht pour la trouée de Sedan, l'armée suisse protège la délégation FLN car ses responsables, arrivant à Évian maintenant, et leurs interlocuteurs français, dont le ministre Louis Jox, sont tous des cibles de l'OAS. Les partisans de l'Algérie française ont appris le succès des contacts de Lucerne cette année avec Pompidou, d'où les pourparlers et le choix d'Évian. Son maire, Camille Blanc, l'a d'ailleurs payé de sa vie par une bombe OAS avant l'ouverture des négociations le 20 mai 61. Le même jour, de Gaulle ordonnait une trêve des armes d'un mois dans les Djebels, et bientôt, peut-être, l'Algérie ne sera plus la boîte à chagrin. Alors, quel est le terme, Évelyne Levert, de la négociation là? Eh bien, on a face à face, donc, les deux parties, et tout de suite, on n'est pas d'accord sur le problème du Sahara, car de Gaulle veut que le Sahara soit mis à part, vu les intérêts qu'on avait avec le pétrole, et d'autre part, on n'est pas d'accord non plus sur la situation que l'on donnera aux Français d'Algérie. Et c'est la raison pour laquelle Louis Jox ajourne la conférence d'Évian. Et les pourparlers reprendront plus tard à Lugrin, et là encore, c'est le problème du Sahara qui va entraîner on va remettre une rupture encore entre les Français et les Algériens. Évelyne Levert, je vous remercie. Alors l'OAS ne baisse pas les bras, puisqu'elle a pour cible le général de Gaulle. Celui-ci échappe à un attentat le 8 septembre sur la route de Colombey-les-Deux-Églises. Le 8 septembre, Roger Frey, ministre de l'Intérieur, annonce aux Français stupéfaits qu'un attentat manqué vient d'être commis contre le général de Gaulle. Sur la route de Colombey, dans une ligne droite à la sortie du petit village de Crancé, une charge d'explosifs dissimulée dans un tas de sable a été mise à feu à une distance de 350 mètres. En fait, l'explosion a fait plus de flammes que de souffle et la voiture du général n'a pas été atteinte. Le lendemain, comme à son habitude, il se rend à la messe dans la petite église de Colombey et lance à la cantonade qu'il ne s'agit là que d'une mauvaise plaisanterie faite en plus par des maladroits. Très vite, il apparaît que c'est l'OAS qui est à l'origine de cet acte criminel. Non seulement elle veut éliminer le général de Gaulle, mais elle cherche à terroriser les civils en multipliant les attentats au plastique. Les mesures de sécurité sont renforcées, partout fouilles et contrôles s'efforcent de traquer les terroristes et pourtant des charges de plastique explosent un peu partout dans Paris. Comme si l'Algérie ne suffisait pas, la France rentre en conflit ouvert avec la Tunisie à propos du port de Bizerte, une base que de Gaulle ne veut pas lâcher tant qu'il y a la guerre à côté. Ce n'est pas Verdun, mais Bizerte, ou plutôt les tranchées de l'armée tunisienne cernant notre base navale près de Tunis, tranchée de la bataille de juillet 61. Bourguiba, venu rencontrer de Gaulle en février, était reparti rassuré. Le général lui avait promis l'évacuation de Bizerte un an ou deux plus tard, notamment sans doute à cause de la guerre d'Algérie. Le combattant suprême n'a donc pas voulu attendre, il a attaqué notre base en force, mais la riposte française a été rude. Comme d'habitude, la population, victime, affamée, n'a pas modifié les dessins militaires, car pour le président Bourguiba, l'opération Bizerte était un paravent. Il n'a sans doute guère expliqué au secrétaire général ONU, Dag Hammarskjöld, qu'il s'agissait surtout d'arracher à Paris une modification des frontières algéro-tunisiennes pour récupérer des terrains pétrolifères. 27 morts français, 700 côté tunisien pour rien du tout. Ou plutôt si, la nécessité pour les Français tunisiens de faire leur triste bagage. Marlène Dietrich était à l'affiche à l'Olympia, mais elle s'est décommandée. Vous avez les jolies femmes, c'est comme ça. Alors, il fallait trouver quelqu'un pour succéder à Johnny Hallyday, qui avait fait un tabac. Et Bruno Cocatrix eut l'idée de faire appel à Jacques Brel. Ben, il a bien fait, parce que celui-ci a eu un vrai triomphe. Jacques Brel, Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai
des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Alors je vous le disais au début de ce journal, l'Union soviétique a réussi cette année l'exploit du siècle en envoyant un homme dans l'espace. Son nom, Yuri Gagarin. Premier à le serrer dans ses bras, il le fit dans l'enthousiasme. Puis Yuri Gagarin embrassa un père et une mère dont on imagine l'émotion. Le jour J, comme Gagarin, avait commencé pour Moscou. Une ovation ininterrompue a conduit l'homme de l'espace jusqu'à la place rouge. Et à la tribune du mausolée de Lénine, la foule qu'on a évaluée à plus d'un million de personnes a pu acclamer à loisir l'homme qui peut, le premier, se vanter d'avoir vu de ses yeux la Terre ronde comme une boule et d'avoir vécu la plus extraordinaire aventure du siècle. Les Américains sont en retard, Von Braun l'a bien dit. Mais un mois après le lancement de Gagarin, les Américains lancent une cabine spatiale à l'intérieur de laquelle se trouve Alan Shepard. Mais oui, l'Amérique est contente. Son nouveau président félicite son cosmonaute tout neuf, Alan Shepard, mais il faut bien reconnaître que cette première tentative pour rattraper les Soviétiques n'est pas vraiment éblouissante. Dans une capsule Mercury, rebaptisée Freedom 7 pour la circonstance, et longue seulement de 2,9 mètres, le premier Américain de l'espace a pris son envol le 5 mai, à partir d'une fusée Atlas. Son vol suborbital a duré 15 minutes. Gagarin avait fait le tour de la Terre en moins de 4 heures. Il a atteint l'altitude de 187 km avant de retomber dans l'océan Atlantique, où il a été récupéré, vous allez le voir, dans des conditions pour le moins acrobatiques. C'est un demi-succès, mais qui va certainement inciter l'Amérique à redoubler ses efforts. Fandre Lobo, nous n'avons présenté que deux vols, côté soviétique et côté américain. En fait, il y en a eu en 61 plusieurs. Eh bien, il y a eu effectivement du côté soviétique deux vols orbitaux, celui de Gagarin et puis celui de Titov, qui a fait 17 fois le tour de la Terre, 17 orbites. Et du côté américain, il y a eu deux vols suborbitaux parce que les Américains n'avaient pas encore une fusée capable de placer un homme en orbite. Ils l'auront à la fin de l'année, mais ils ne seront pas encore suffisamment sûrs pour s'en servir pour mettre un cosmonaute en orbite et l'utiliseront à la fin de l'année 61 pour mettre un chimpanzé en orbite. Il faut dire que ce sont des fusées militaires, ça. C'est pas destiné à lancer des hommes, mais à des bombes. Hein, ce sont les fusées de la première génération de la force de frappe nucléaire ou thermonucléaire soviétique et américaine. Les premières fusées intercontinentales. Mais est-ce que c'est très très différent de mettre un homme dans l'espace plutôt qu'un chimpanzé? Mais, techniquement, c'est plus difficile de mettre un chimpanzé parce qu'on ne peut pas compter naturellement sur le chimpanzé pour prendre le relais des automatismes qui pourraient tomber en panne. Mais par ailleurs, l'échec technique n'a pas le même poids sur l'opinion publique selon que c'est un singe ou un cosmonaute dont on perd la vie. Est-ce que le retard des États-Unis est vraiment probant ou bien ça peut se rattraper? Il est de encore, les Américains sont dans la course à ce moment-là et le retard est approximativement de l'ordre de un an puisque les vols suborbitaux, les vols avec mannequins, les vols avec des animaux, les Russes ont lancé six chiens dans l'espace dont quatre ont été récupérés et puis les deux autres ont fait une rentrée un peu brutale dans l'atmosphère. Et tout ça, ils l'ont fait en 1960 et au fond, les Américains ont à peu près un an de décalage. Et ils ont également une fusée moins puissante, mais c'est parce que cette fusée est adaptée à une bombe thermonucléaire qui est davantage miniaturisée que la bombe soviétique. Au fond, on utilise pour les débuts de la technique spatiale, on part d'un fondement qui est fourni par les engins balistiques.
Et en France, est-ce que nous sommes dans la course de l'espace, à la course? Parce qu'on parle d'un rat qui s'appelle Hector, là. Oui, non, on n'y est pas vraiment encore. C'est-à-dire qu'on dispose d'une petite fusée sonde, enfin un engin qui monte avec une centaine de kilogrammes à une altitude de l'ordre de 200 km, qui s'appelle la Véronique, et qu'on utilise pour des expériences scientifiques qui sont tout à fait significatives. C'est avec cet engin qu'on a commencé à édifier les laboratoires de recherche spatiale en France. C'est, par exemple, l'époque où Jacques Blamont, qui est encore aujourd'hui le haut conseiller scientifique du CNES, commence à édifier une équipe de chercheurs qui utilisent la fusée Véronique. Je ne considère pas que le lancement de petits mammifères avec cette fusée de rats, puis après cela de chats, dont on instrumentait le cerveau de façon un petit peu, enfin que je trouve un peu déplaisante, je ne trouve pas que c'était la partie la plus significative. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été vraiment l'amorce de la recherche spatiale française, qui s'est édifiée avec ce petit engin. Mais on disposera vraiment d'un engin significatif le jour où précisément les militaires auront développé, pour les besoins de la force de frappe, le premier étage de ce qui deviendra le diamant dans la fin des années 60. André Lebeau, je vous remercie. L'actualité circulatoire maintenant, 2, 4 roues et je ne sais combien d'autres, avec Renan Biraud et Gérard Dalmaz. Au début, Louis, était l'autofauteuil en France en 1902, puis ensuite il y a eu les Anglais avec Scott en 1911 et il a créé, lui, on dit en tout cas qu'il l'a créé, le scooter. C'est une espèce de motobase, disons. Et puis maintenant, eh bien, c'est le grand succès depuis les années 50, c'est l'énorme succès en Europe, en particulier avec les marques Lambretta et Vespa. Et voici d'ailleurs la Vespa, Renan Biraud, la Vespa 150, c'est la classe, il faut bien le dire. Ah, quoi. Oui, Vespa nous propose dans cette année 1961 deux modèles, le 125 cm3 et le 150 cm3. Oui. Alors on les reconnaît à leur couleur. Celui-ci a la couleur du 150. Oui, c'est très populaire, ça démarre en Italie, parce que ça s'appelle la Guespa, en fait, la Guepa. Oui, voilà. Et puis il faut dire que ça a un bruit assez rageur. Ah, c'est merveilleux. Et puis, alors, pour draguer, c'est extraordinaire. Alors, on y va tout doucement. On va rester en place. Oui, très bien. Ah, voilà. Ah, bon, maintenant, on va vers la moto ratier qui a dératé. Non, elle n'a pas dératé. Elle marche non, bien. Non, elle n'a pas dératé. Elle est française. Regardez-la bien. C'est notre dernière moto française. Elle s'inspire d'ailleurs d'une moto que vous connaissez, qui est la BMW. Mais oui, absolument. Bien connue. Mais en réalité, elle est française. On la doit à des ingénieurs qui Ratier, ont... c'est pas un fabricant d'hélices. Mais ici, justement, à pas variable. Oui. Alors, ils ont également dans leur escarcelle cette moto qui est une fabrication destinée à la gendarmerie et voilà, à la police. La police. Voilà. Et il faut dire aussi qu'il y a un avantage énorme, c'est que c'est la transmission est sous cardan. Absolument par arbre. Oui, oui, c'est extraordinaire. Donc, c'est une moto extrêmement moto robuste. Propre, quoi. Ah, tout à fait. Rien à voir avec les Anglaises qui ont des chaînes et qui, évidemment, souvent... Alors, les motos anglaises, elles prospèrent, il faut bien le dire. Elles prospèrent, il y a Norton, il y a Triumph, il y a BSA. Il y a Royal Enfield. Et la Royal Enfield. Alors, il y a la Orex, c'est la moto Guzzi en Italie. Il y en a pas mal. Moto Bécane en France, Terro. Moto Bécane, mais attention, Moto Bécane ne fait qu'une cylindrée plus petite, une 350 et une 250. Ouais. Voilà, et ça, c'est quand même une cylindrée qui fait 600 cm3 et qui vous emmène à 140 km à l'heure. Et la visite continue. Alors, la visite... Avec la Sim Camille qui vient de sortir, c'est la dernière année de... De Alors, Simca, je crois. On peut dire qu'avec cette voiture... Si monsieur Renan Biraud veut bien s'installer au volant... Monsieur est trop bon. Cette voiture a l'avantage, c'est d'avoir le tout à l'arrière. Oui. Rappelez-vous le succès de la Coccinelle, c'est très économique, ça a fait ses preuves. Le succès chez Renault de la Dauphine, dont on a parlé... Alors justement, c'est le concurrent de la Dauphine. C'est le concurrent, voilà. Ah oui. Que de la Dauphine disons que c'est le concurrent de toutes les voitures qui ont une propulsion et un moteur à l'arrière. Et c'est l'inauguleuse, là. Ah bah ça c'est dans le genre jeune. Du temps. Vous allez voir, Renault nous prépare d'ailleurs un modèle très équivalent, mais il n'est pas encore sorti, alors on n'en parle pas. Sachez que c'est extrêmement économique, c'est une voiture qui sert quand même à la famille, parce qu'elle a 4 portes, c'est une délicieuse petite voiture, très économique. 125 à l'heure. Litres au 100, 120, 130 km à l'heure. Et puis... Et 4 vitesses synchronisées système Porsche. Ah oui. Ah oui, j'ai bien lu ma documentation. Mais chez Simca, il est toujours à l'avant-garde. Hein. Voilà. On trouve des solutions très économiques et très bien construites. Donc c'est une voiture qu'on peut recommander vraiment à beaucoup de gens. Voilà, mais je crois que Louis Bellu, on ne peut pas rentrer dedans parce qu'il est trop grand pour. Mais enfin, bon, normalement, en faisant une petite bosse là, on devrait y arriver. Comme dirait Céline, question bagnole, il est drôlement costaud, Gérard Dalmaz. Alors, on peut mettre sa radio dans son auto et écouter une nouvelle fois Jacques Brel dans l'une de ses compositions les plus entraînantes, La valse à mille temps. Premier temps de la valse, tout seul tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul,
je t'aperçois, et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, nous murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme tu es charmant, une valse à quatre temps, oh, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant et tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans. Décidément, les hommes sont des paradoxes vivants. Ils décident de se voir, de se parler de paix notamment. En réalité, ils ne se disent rien, ou presque. C'est ce qui est arrivé à Vienne dans la rencontre entre les deux grands, Khrouchtchev et Kennedy. Kennedy qui était passé par chez nous avant. Versailles était le dernier décor et le dernier acte de la visite du président des États-Unis à Paris. Et à travers cette admirable toile de fond, on a pu voir le général de Gaulle et Madame Kennedy ouvrir le cortège qui allait, circonstance dont la rareté fait aussi le prix, dîner dans la Galerie des Glaces. Fermant le cycle des entretiens de Paris, cette brillante soirée était la préface d'un autre cycle, celui de Vienne, où M. Khrouchtchev et M. Kennedy s'étaient donné rendez-vous. Un premier entretien, seul à seul, à l'ambassade américaine, en précédait un autre à l'ambassade soviétique. De ces conversations laborieuses, il ne sortirait qu'un geste de bonne volonté et une espérance. C'est déjà quelque chose. Car la soirée de Schönbrunn qui terminait ces deux journées et où les deux cas, Khrouchtchev et Kennedy, étaient les hôtes du président-chef, se terminait en sourire de part et d'autre. On le sait, la diplomatie n'en est pas avare. Mais c'est dans ce sourire de Khrouchtchev à Mme Kennedy, ce sourire de Kennedy à Mme Khrouchtchev, qu'on peut peut-être mieux que dans les communiqués lire un peu l'espérance du monde. L'espérance du monde, oui, effectivement, deux mois plus tard, c'est la crise entre l'Est et l'Ouest. Pour enrayer le passage à l'Ouest de milliers de ces ressortissants qui franchissent la frontière, la République démocratique allemande décide d'édifier un mur qui sépare les deux communautés, ou les deux côtés d'un même pays. Quel triste symbole, Sylvie Genevoix. Depuis 1945, Berlin-Ouest, occupé par des détachements américains, anglais et français, constituait avec ses 43 km de ligne de démarcation avec Berlin-Est, le lieu d'évasion idéal pour les Allemands de l'Est désireux de fuir un régime étroitement surveillé par les Soviétiques. Pour enrayer un exode qui atteignait parfois 2000 personnes par jour, les Soviétiques ont, dans la nuit du 13 août, établi un barrage entre les deux parties de l'ancienne capitale du Troisième Reich. Willy Brandt, maire de Berlin-Ouest, revient précipitamment dans sa ville pour réunir le Sénat de Berlin et pour tenter, dans un discours radiodiffusé, de rassurer ses administrés. Les États-Unis d'Amérique, par la voix de Lyndon Johnson, protestent contre cette violation des accords interalliés de 1945 régissant le statut de Berlin. Ce qui n'empêche pas les réseaux de barbelés mis initialement en place d'être très vite remplacé par un mur bétonné de plus de 3 mètres de haut, des immeubles frontières d'être murés ou détruits, des familles entières d'être séparées. La population est saisie par l'angoisse d'être définitivement séparée de leurs parents ou de leurs amis. À Berlin-Ouest, les manifestations de protestation se multiplient, mais rien ne semble pouvoir fléchir la résolution soviétique, ni la surveillance implacable de la police de l'Est, pas même une impressionnante marche au flambeau des jeunes Berlinois. Un petit retour en arrière pour demander à Gérard Dalmas de nous raconter l'affaire de la baie des cochons, une affaire qui a aussi obscurci les relations entre les deux blocs. La statue vivante de Fidel Castro n'est pas près d'être déboulonnée par les anticastristes réfugiés aux États-Unis, et donc voici l'un des 16 bombardiers mis à mal pendant l'invasion lamentablement ratée de Cuba, avril 61. Ceux qui ont armé les 1500 volontaires dits cubains libres, c'est-à-dire Eisenhower, Kennedy, Patagon, CIA, se sont roulés dans la fange du naufrage de la baie des cochons. Washington était certain du ralliement de l'armée, du soulèvement populaire dès le débarquement anticastriste. Erreur grossière, fidèle et populaire. Deuxième erreur, le manque de discrétion des réfugiés cubains aux États-Unis. Résultat, Castro était fidèle au poste, il attendait l'invasion de pied ferme, 1200 prisonniers. Mais que faisait Kennedy dans cette galère? Oui, c'est une question.
Au Congo, ex-sol belge, la situation est toujours confuse, la guerre civile continue, les tribus s'affrontent depuis l'indépendance déclarée l'an passé. Sylvie Genevoix. À peine plus de 6 mois après avoir accédé à son indépendance, le Congo belge reste agité de violents soubresauts. Alors qu'il se rendait de Léopoldville au Katanga pour y rencontrer Moïse Tshombe et éviter une sécession définitive, Daga Marshall, secrétaire général de l'ONU, a trouvé la mort dans un accident d'avion quelque peu mystérieux. À la fin de l'année, il recevra le prix Nobel de la paix à titre posthume. Quelques mois auparavant, en février, Patrice Lumumba avait été assassiné par le même Tshombe après avoir été destitué de son poste de premier ministre par le président du Congo, Joseph Kasavubu. La disparition de Lumumba, qui avait vite acquis une audience internationale par ses plaidoyers enflammés en faveur de la décolonisation, a entraîné dans les États du tiers-monde, comme dans les capitales communistes, une vague de protestations qui a mis à sac plusieurs ambassades belges. Même à l'ONU, quand Daga Marshall s'était vu agresser par l'ambassadeur soviétique Zorin, on a vu d'honorables hommes politiques pour la première fois en venir aux mains dans les tribunes. Vous vous rendez compte? Depuis 1954, les télévisions européennes ont créé ensemble un organisme d'échange des programmes. Cela s'appelle l'Eurovision. Depuis quelques années, il y a un concours de chansons, Eurovision. En 1961, c'est un acteur français, Jean-Claude Pascal, et une chanson française qui l'emporte. Mais c'est le Luxembourg qui présente et le chanteur et la chanson. La chanson est de Jacques Datin et Maurice Vidalin et ça s'appelle « Nous, les amoureux ». Les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous, les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont mille et l'on est deux, les amoureux. Mais l'heure va sonner des nuits moins difficiles et je pourrais t'aimer sans qu'on en parle en ville. C'est promis, c'est écrit. Jean-Claude Pascal qui sentait déjà à ce moment-là des chansons de Gilbert Bécaud. Alors maintenant, quelques nouvelles brèves en vrac avec Sylvie et Gérard. Oui. 10 300 000 juifs à éliminer, c'est le chiffre auquel était parvenue la statistique nazie. Les exécuteurs de la solution finale, exigée par Hitler, sont parvenus à environ, passez-moi le terme, environ et seulement 6 millions. Alors, quelle est la part d'Adolf Eichmann, le SS enlevé l'an dernier par les services secrets israéliens en Argentine où il se cachait? Eh bien, c'est difficile à savoir. Nazi en 1931, persécuteur des juifs dès 1934, Eichmann a été surtout, dès 1941, le régulateur rationnel, le pourvoyeur systématique des camps d'extermination. Sa responsabilité était terrifiante, si vous voulez. Alors, la cage de verre du tribunal de Jérusalem le protège des crachats, mais pas de la potence qui vient d'être décidée pour lui. Bien dérisoire, d'ailleurs, comme exécution au regard de la pieuvre de la mort qu'était la croix gammée. Marie Bénard, on ne pouvait rien me faire puisque je n'avais rien fait. C'est la déclaration incroyable qu'a fait la vieille dame de Loudun après son acquittement par la cour d'assises de Bordeaux, après 3 procès. Ainsi s'achève une des plus étonnantes feuilletons judiciaires commencées en 1950, lorsque cette gentille dame avait été accusée d'avoir assassiné 13 personnes de sa famille à l'arsenic et par intérêt. Les grands perdants de l'affaire sont les soi-disant ou les experts qui se sont tellement contredits sur l'absence ou la présence d'arsenic dans les cadavres que les jurés ont fini par acquitter à l'unanimité celle qui n'avait d'ailleurs jamais cessé de clamer tout à fait tranquillement son innocence. Frédéric Potcher, qui a suivi le procès, m'a dit à plusieurs reprises que Marie Bénard était innocente. Il n'y avait pas de... Et qu'elle était aussi anormalement normale. Voilà. Aussi. Ça empoisonnait bien les gens, en tout cas, cette histoire. Y aurait-il un nouvel engrenage en Indochine, ou plutôt au Vietnam? Cette année, officiellement, 14 GIs, ils sont morts, officiellement.
car depuis 1956, Washington a repris le relais de Paris pour soutenir le régime Diem dans la lutte brutale contre l'opposition communiste, le Front National de Libération, pour être précis, soutenu par Hanoï, les Viet Cong. Selon le mot d'ailleurs du président Diem lui-même, au moment de l'arrivée au pouvoir de Kennedy, il y a quelques temps, disons un an, il n'y avait que quelques centaines de conseillers au Vietnam, américains bien entendu, à Saïgon. Eh bien, le président américain vient d'emporter le chiffre à 15 000, pas moins. Or, quand on sait qu'à Ho Chi Minh a récemment rappelé qu'il faut réunifier le pays nord et sud sous le même toit, eh bien, on peut tout craindre. 4 ans après sa première victoire, le Rouennais Jacques Anquetil remporte encore le Tour de France. Et avec quel panache, puisque comme il s'était juré de le faire, il a endossé le maillot jaune dès la première étape et l'a gardé jusqu'à l'arrivée au Parc des Princes. C'est fou. Anquetil a certes été aidé par une équipe de France particulièrement attaquante et soudée, mais ce coureur exceptionnel a montré une fois encore des qualités athlétiques incomparables, notamment dans les cols des Pyrénées. Ça, c'est un sacré champion. Ouais. Et page littéraire maintenant, Sylvie, avec hélas deux disparitions. Bon, c'est l'actualité qu'il veut. La première est voulue. La première est voulue, pas vraiment à la famille, dit le contraire. C'est la disparition d'Hemingway, un ancien prix Nobel, il l'avait eu en 54, et qui, en nettoyant son fusil de chasse, s'est tué accidentellement, dit sa famille, et en fait, probablement volontairement, dit-on. Oui, mais il a écrit des choses qui sont très nettes là-dessus. Oui, absolument. Mais la famille affirme que c'est accidentel. Oui. Mais c'est vrai, et probablement, il avait tellement bourlingué, il avait tellement vu de choses que c'est un personnage absolument extraordinaire, cet Américain qui était une force de la nature, qui était engagé volontaire sur le front italien à 18 ans, qui après a fait toutes les guerres d'Espagne, qui a été correspondant partout, et qui a été un grand romancier, en publiant des livres comme Le soleil se lève aussi, L'adieu aux armes, Pour qui sonne le glas. Et son dernier livre, peut-être qu'il lui a valu le prix Nobel, qui est Le vieil homme et la mer, et qui est un livre dense, merveilleux. Un tout petit livre qui est une merveille, absolument. Tout à fait. Voilà. Alors maintenant, c'est l'enfant terrible de la littérature française, c'est Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline, oui, il est mort à 68 ans, sans gloire, sans honneur, dans son pavillon de banlieue à Meudon, où il vivait depuis un certain temps, mais en laissant une œuvre absolument incomparable, et une œuvre qui a bouleversé toute la littérature française et toute la littérature du XXe siècle, qui est extraordinaire. Oui, il a tout chamboulé et tout bouleversé. Ah bon, alors Louis-Ferdinand Céline, on sait, il était le docteur des touches, il était né, il avait été élevé par une mère dentelière, alors que lui ne faisait pas vraiment dans la dentelle, dans le passage Choiseul. Et puis après, il avait été très courageux, il s'était engagé à 18 ans, il avait fait la guerre de 14, il avait été très blessé, mais il en avait surtout tiré un antimilitarisme absolument effrayant et qui s'était vraiment exprimé dans des débordements absolument incroyables. Après, il a bourlingué un petit peu partout, il est allé soigner dans des pays d'Afrique, en Amérique du Sud, partout. Et puis, il est revenu, où il était envoyé par la SDN. Il avait fait une thèse aussi sur Samuel Weiss, une thèse absolument extraordinaire. Mais Céline est un paradoxe permanent et total. Samuel Weiss était un médecin hongrois qui prêchait pour l'hygiène et pour sans cesse. Et Céline, qui lui n'avait aucune hygiène de vie, a adoré cet homme et a fait une thèse sur lui absolument extraordinaire. Et en 1932, il a publié réellement son premier roman qui a immédiatement bousculé et bouleversé tout le monde et qui s'appelle Le voyage au bout de la nuit. Et son héros s'appelle Bardamu, un héros qui bien entendu est terriblement inspiré par lui. Voilà. D'ailleurs, ces deux chefs-d'œuvre qui sont Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit sont des autobiographies. Tout à fait, exactement. Le deuxième, peut-être même encore plus, parce que lui, c'est son enfance. Et à chaque fois, c'est les mêmes obsessions. D'abord, c'est un style qui ne ressemble à aucun autre, que personne ne peut imiter, où il chamboule tout, il bouleverse tout avec un vocabulaire incroyable. Et puis, c'est les mêmes obsessions, c'est la haine de la guerre, la haine de la société et l'angoisse de l'avenir aussi, et la haine finalement de lui-même. Alors, il a eu une période très mauvaise pendant la guerre où il a pris les pires. Prise de position inqualifiable, antisémite, raciste, abominable. Bon, ça, on ne juge pas. Là-dessus, il a été emprisonné au Danemark après la guerre et puis il est revenu dans les années 50. Il a été jugé, il a été condamné, amnistié par De Gaulle l'année suivante. Et depuis, il vivait à Meudon en soignant vaguement des gens, les pauvres, parce que c'était son ambition d'être le médecin des pauvres. Et en publiant ici et là des souvenirs de son incarcération au Danemark. Mais les deux grands livres sûrement qui resteront de lui, c'est Le voyage au bout de la nuit et c'est Mort à crédit, dont Claude Rich va nous lire un extrait. Un extrait et qui montre qu'il a d'ailleurs beaucoup d'humour. On s'est levé ce dimanche-là encore bien plus tôt que d'habitude. On m'a torché le cul à fond, on a attendu une heure au rendez-vous de la rue Gaillon que l'engin arrive. Le départ pour la randonnée, c'était pas une petite affaire. Il s'était mis au moins 6 pour le pousser depuis le Pont Binot. On a rempli les réservoirs,
Le gicleur a bavé partout. Le volant avait des renvois. Il y a eu des explosions horribles. On a remis ça à la volée, à la courroie. On s'attelait dessus à 3 ou 6. Enfin, une grande détonation. Le moteur se met à tourner. Il a pris feu encore 2 fois. On l'a rapidement éteint. Mon oncle a dit, « Montez, messieurs, dames, je crois à présent qu'il est chaud. On va pouvoir se mettre en route. » Le courage, c'était de rester dessus. La foule se pressait alentour. On s'est coincé, Caroline, ma mère et moi-même, si bien ficelés sur la banquette, empaquetés de telle façon, si fort souqués dans les nippes et par les agrès, que seule ma langue a dépassé. Avant de partir, je prenais quand même une bonne petite baigne pour pas que je me croie tout permis. Le tricard, il se cabrait d'abord et puis il retombait sur lui-même. Il ruait encore 2-3 secousses, des craques affreux et des hoquets. La foule refluait d'épouvante. On croyait déjà tout fini. Mais le truc, en saccade intense, gravissait la rurée au mur. Mon père avait loué un vélo. Il profitait de la montée pour en mettre un coup par derrière. Le moindre arrêt, c'était la panne définitive. Il fallait qu'il nous pousse à fond. Au square du temple, on faisait la pause. On repartait à toute violence. Mon oncle déversait la graisse en pleine marche, à plein goulot, à travers les bielles, la chaîne et le bastringue. Fallait que ça jute comme un paquebot. Dans le coupé avant, c'est la crise. Ma mère a déjà mal au bide. Si elle se relâche, si on s'arrête, ça peut être la fin du moteur. Qu'il s'étrangle et nous sommes foutus. Ma mère se maintient héroïque. Mon oncle, jugé sur son enfer, en scaphandrier poilu, environné de 1000 flamèches, nous adjure, au-dessus du guidon, de nous cramponner au bazar. Mon père nous suit à la trace. Il pédale à notre secours. Il ramasse tous les morceaux au fur et à mesure qu'ils se débinent. Des bouts de commandes et des boulons, des petites goupilles et des grosses pièces. On l'entend jurer, sacré plus fort que tout son pétard. Ça dépend des pavés, le désastre. Ceux de Pignancourt nous firent sauter les 3 chaînes. Ceux de la barrière de Vanves, c'était la mort des ressorts avant. On a perdu toutes les lanternes et la trompe à gueule de serpent dans les petits cassis au-dessus des travaux de la Villette. Vers Picpus et la Grand Route, on a perdu tellement de choses que mon père en oubliait. C'est formidable, il y a beaucoup d'humour dans ces lignes, même quand c'est triste, c'est toujours, gueule. Toujours, exactement. Alors, cinéma maintenant. Avec, alors, un film de la Nouvelle Vague, encore une fois, un film de François Truffaut, cette fois-ci, qui s'appelle June et Jim, et qui est un film merveilleux, avec une actrice merveilleuse de 33 ans, qu'on a vu déjà dans Ascenseur pour l'échafaud, qui s'appelle Jeanne Moreau. Alors, Jeanne Moreau joue le rôle d'une jeune femme qui, avant la guerre et après la guerre, est partagée entre 2 hommes, un Français et un Allemand, et évidemment, ça se termine pas très bien. Et c'est le premier roman d'un romancier complètement inconnu qui a 74 ans, je crois, qui s'appelle Henri-Pierre Rocher, et Truffaut depuis 12 ans. Il faut jamais désespérer. Et Truffaut, qui a de la conscience, la constance, depuis 12 ans, s'est juré d'adapter un jour et de réaliser ce film, ce livre à l'écran. Et c'est un livre absolument, un film absolument merveilleux et qui marche très bien tout de suite, qui a une presse extraordinaire. Et Jeanne Moreau et Truffaut récoltent une quantité de récompenses. Voilà un extrait avec les deux acteurs. Votre amour est tombé à 0 et il remontait à 100 avec celui de Catherine. Moi, je n'ai jamais connu vos 0 ni vos 100. Monsieur Jim, j'ai quelque chose à vous dire. Voulez-vous m'accompagner? Jules, regarde-nous bien. Alors Jules, c'est le français, c'est un jeune acteur qui s'appelle Henri Serre, et Jim, l'allemand, c'est un acteur, c'est Oscar Werner, et elle, bien sûr, c'est Jeanne Moreau, tout le monde l'a reconnu. Et ça voilà. Fait mal. Alors maintenant, je voudrais vous dire que l'interprète tout à l'heure de Céline, de Mort à Crédit, du texte de Mort à Crédit, vous l'avez reconnu, c'était Claude Riche. Et Claude Riche, vous pouvez aller le voir actuellement au théâtre Saint-Georges, jouer Faisons un rêve, une pièce de Sacha Guitry. Je vous rappelle que si vous voulez jouer avec nous,
au jeu des connaissances sur le Minitel. Il vous suffit de faire le numéro du Minitel, de taper le code A2, prendre Journal d'un siècle et vérifier si tout ce qu'on vous a raconté, vous l'avez retenu. Voilà, maintenant je vais vous évoquer quelques livres pour l'année 1961, à commencer par les deux chefs-d'œuvre de Céline. Il en a écrit bien d'autres, mais ceux-là, vous pouvez les trouver facilement dans la collection Folio. Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Un mot aussi du prix Goncourt de cette année, qui est La pitié de Dieu de Jean Cot, un livre tout à fait remarquable. D'Evelyne Levert, l'histoire de la guerre d'Algérie, 1954-1962. Et d'Evelyne Levert, le Louis XVI, collé chez Fayard, le précédent était au Seuil. Ensuite, Crise à Cuba, de Claude Delmas, 1961-1962, édition complexe. 1886, il y a 100 ans, naissance du XXe siècle en France, par Jean-François Six, au Seuil. Charles de Gaulle, notes et carnet, 1961-1963 chez Plon. D'André Lebeau, qui est venu nous commenter l'exploit de Gagarine, l'espace en héritage, aux éditions Odile Jacob. Voilà, nous nous quittons sur cette chanson du grand film de Robert Wise, West Side Story, Maria. À samedi prochain pour l'année 62. Au revoir. The most beautiful song I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria. A girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. Au sein de la Haute Assemblée.